bien, salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve tous aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 sur la map Wielopolska. J'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va nickel, ça suit son cours, comme on dit. Donc du coup aujourd'hui au programme, j'avais pensé faire du maïs grain, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Au départ j'avais pensé labourer ou etc, mais on va quand même continuer à attaquer un peu tous les champs qui sont déjà prêts. Donc là ça n'a pas changé, hein. Vu la taille du champ, il y a toujours l'autre bécote qui est dedans. D'ailleurs on va tout de suite aller dessous juste histoire qu'elle avance encore un tout petit peu. Ouais, elle vient juste de s'arrêter en plus. Du coup on va faire un peu de maïs grain, donc pour ça je vais louer une machine. Je sais pas encore laquelle, je pense une petite F78 avec son petit cueilleur là. Puis comme ça on va être bien. Ça en va être très bien, donc je continuerai. En fait j'ai constaté que dans le silo d'ensilage il y avait 87 tonnes d'ensilage, donc ça va largement suffire pour le cheptel qu'on a. C'est pour ça que j'ai arrêté d'ensiler, et puis le petit Dutch servira avec la benne pour le maïs grain. Ouais, donc j'ai vidé de je sais pas combien, mais bon c'est toujours ça. Donc lui on va le laisser là. On va donc prendre donc le Fiat, lui il reste là, lui il est bien ici, je vais juste le décaler pour pas gêner. Ouais, par contre je vais quand même finir le... Ce qu'on va faire c'est qu'on va ranger l'ensileuse et on va donc faire du maïs grain. De toute façon là on n'a pas de temps de perdu puisque vu le boulot qu'il y a, hop, elle on va la ramener tout de suite. Je vais élever la coupe là. Allez c'est parti. Ah oui, je voulais jouer au volant mais j'ai la multiprise qui est morte. Et vu que le volant est branché dessus, bah c'est un peu chaud quoi. Allez go, go go go. Putain j'ai la porte ouverte. Elle se ferme non? Merde, je mets le clignotant. Elle a pas l'air de se fermer, là c'est les phares, ouais, je m'en fous. Du coup ouais on va la foutre à l'exploitation là-bas directement. J'avais songé à faire des pommes de terre mais je vais vous montrer le mode là juste après de la machine. Donc à la base je l'avais pas prise parce que sur le serveur on a fait pas mal de tri au niveau des modes. Et du coup en fait Kevin a rajouté quelques véhicules. Gabi aussi. Donc du coup bah évidemment je suis obligé de prendre. Les prendre aussi puisque sinon ça va être compliqué de jouer. Et franchement c'est une arracheuse qui est plutôt sympa, mais le truc qu'il faut tout le temps qu'il y ait c'est une benne quoi, parce que c'est elle a pas de trémie. Je vais vous montrer ça. Ouais bah pour l'instant il n'y a pas de ballot, du coup je vais laisser l'ensileuse là. De toute façon je pense qu'en sileuse batteuse ça va venir là, je vais pas tout mettre en foin et en paille ici. Vu le nombre de bêtes que je vais avoir, ça sert à rien que je remplisse tout comme un cinglé. C'est chiant la porte qui reste ouverte, bon on s'en fout. Du coup ouais. On va quasiment plus. Ah mais non, on va arriver dans la terre et puis après on va rentrer. Contrôle P. Ah par contre non, je vais dégager avant de la machine, c'est chiant, voilà. Alors du coup. Voyons un peu en batteuse ce qu'on a. C'est la fameuse ensileuse, ouais. Faut que je les vire ces merdes là, ça ne sert jamais. Ah ouais, la Dominator aussi, je m'en rappelais plus de celle-là. Non, je pense qu'on va prendre la TF histoire d'avancer un peu plus vite. De toute façon, ça reste juste de la location. Donc ouais, on va se prendre la TF en location. Je vous montre quand même ce qu'on a. Donc ça, ouais, c'est moi qui l'avais pris à part. Le Jaguar, non. Ah, ça c'est l'ancienne version de la TF qu'il faut que j'enlève. Du coup en barre de coupe, bon, on va peut-être prendre la barre qui va avec, ça va être mieux. Non. Non. Non, non. Merde, c'est laquelle? 15.
Putain, elle est où? Ça doit être une New Holland normalement. Putain, il y a 20 000 barres de coupe. Ah, voilà. Hop. 4,50 m. Donc ah merde, mais non, quel con, c'est pour le maïs. Oh putain. Quel abruti. Putain, quel con. Je suis n'importe quoi. Elle a pas de truc à maïs pour elle, je crois, non? Je pense pas. On va remonter pour New Holland. New Holland. Ouais, bon, on va prendre celui-là. Hein. Putain, quel con, j'ai pris le machin. Bon, allez, on va pas s'attarder, on va prendre celui-là. Vraiment, barre de coupe, on s'en fout. Ah ouais, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est cette machine-là. Donc en fait, faut tout le temps qu'il y a pas de trop de, il y a pas de trémie en fait. Faut tout le temps qu'il y ait une benne qui suive. Et franchement, je trouve ça plutôt stylé. On a la fameuse repas aussi qu'on a depuis un bon moment. Je pense que je sais pas si on va la garder celle-là. Après, bon, on a fait pas mal de tri. Ouais, au niveau des bennes, on a le choix. Hein. Voilà, les rangs d'azo, c'est à moi. Ça, c'est pas sur le serveur. Ça, c'est sur le serveur. On a des nouvelles, je crois. Voilà, ces Gilibert là. Ils sont sur le serveur. Les 2 heures aussi, les maîtres aussi. Enfin bref, voilà un peu les nouveautés. Les nouveautés. Sinon là, cuvalisier, bah il y a la grosse. Ah merde, le truc il a bugué quand je clique. Bon, c'est pas grave. On va plutôt quitter parce qu'avant que ça plante là-dedans. Du coup, on va choper cette batteuse. C'est un peu chaud là. Merde, quel con. Bon, c'est pas grave. Ah là, si je veux faire un vol plané, c'est le moment. Allez, à l'envers la coupe là. C'est pile le moment. Alors, par contre, ce que je vais faire, péter un coup de sauvegarde en même temps. Je préfère baisser le son du jeu parce qu'avec cette machine là, je suis jamais trop sûr si on va bien m'entendre. Étant donné qu'elle gueule. La barrière, ça va toujours faire plus réaliste. Ça déplie. Allez, go! Petit peu de maïs grain pour changer. Putain, le champ là, on a l'alerte, donc je le baise. On déplie également ça. Pour ça, ça va prendre quand même assez large, ça va pas non plus. Ok, donc re les amis, petite ellipse de 5 bonnes grosses minutes là. Du coup on est reparti hein, donc ça fait 20 fois plus de mots du coup. J'espère qu'au niveau rendement ça va aller. J'espère que ça va cracher. Bon après la largeur de la coupe elle est pas non plus énorme. Ce niveau là, putain, j'ai l'impression que c'est pas baissé. Ça fait bizarre, j'ai l'impression que c'est pas baissé. Putain, mais je vois combien. Ouais, enfin, ça va, 25%, à mon avis, arrivé en haut 50. Ouais, c'est pas comme à l'ancillage. L'ancillage, une montée était plein que là. Là, c'est déjà plus.
Enfin bon, ça va à peu près. Du coup, où est-ce que je le stocke, où est-ce que je le vends? Parce que le stock, je vais pas tester avec le résident si je peux le bénir. J'ai vu 2-3 endroits où on peut peut-être bénir, mais ça marche pas. Il me semble que j'avais essayé de cupler, je crois, de colza, je sais plus. C'est à voir. C'est à voir. Ah, par contre, ouais, non. Je vais plutôt attendre de faire le retour. Ah, j'essaie de tracer droit, impeccable. Impeccable bien. En tout cas, cette machine-là va bien. Franchement, l'intérieur, elle est pas dégueulasse. Elle est loin d'être dégueulasse. Ceux qui ont fait la machine, ils ont géré. Ils ont géré. Du coup, je vais vite fait mettre un ouvrier. Là, on va s'occuper du colza là-bas, là, vite fait, parce que je sens qu'au 20e épisode, elle va encore être dans son champ. Là. Allez, c'est parti, démerde-toi. On va s'occuper de ton cas, nous. Ah, puis de toute façon, il va falloir que j'aille vider la benne, donc dans le pire des cas, il fallait quand même qu'on y aille. Faut que je fasse gaffe parce qu'à chaque fois, avec la cabine, je touche là. C'est parti! Je sais pas si elle va me la remplir, je pense. Et ouais, 15 tonnes de colza. Oh putain, ça devrait rapporter ça. Du coup, on va passer par là, ça va changer un peu. On va faire le tour. Par contre, oui, on peut mettre. Je peux mettre les girons, mais. Je peux les déplier, je pense. Je pense. L'intérieur, non pas de l'intérieur. Oh stylé. Putain j'avais pas vu, on peut mettre une sellette d'attelage. Ouais ça c'est cool. Ah d'accord, donc à mon avis oh, j'en mets qu'un. Ah du coup c'est stylé, est-ce que ça désactive l'autre? Ouais ça c'est pas mal. Ouais non, je mets les deux, on en a deux. Ah merde, si je mets le régulateur mais à 10. Donc ça c'est phare à mon avis vu comment que ça bug. Est-ce qu'il y a des feux sur la benne? Ils sont allumés là? Ah oui c'est allumé. Oh elle a quasiment été pleine. Oh, elle a fait demi-tour là-bas. Elle... Oh, qu'est-ce qu'elle m'a fait là-bas. Oh putain, je sens qu'on va devoir la reprendre, cette connasse. Elle a dû nous faire n'importe quoi, cette garce. Putain, mais non, il y a des bennes comme ça, j'ai intérêt à faire gaffe. Là, par contre, c'est vrai que la texture sur les bennes, ça fait un peu dégueulasse. Là. Ça clignote à moitié. Là. Oula, doucement. Je traverse un peu, je suis un peu obligé. Impeccable, j'ai les roues qui tournent dans le vide. C'est le moment de changer les pneus. J'espère que pour partir ça va aller les demi-tours. Oh oui. Je vais passer sur le pont. Le pont bascule, putain avec la longueur que je fais, je suis sûr qu'il y a une benne qui peut même pas se faire peser. Ouais, c'est soit un tracteur une benne, soit deux bennes. Je vais repasser par là, putain bah du coup, ouais d'accord.
La gueule de la manœuvre. Oh là là. Par contre, le seul truc que je peux reprocher au Mercedes, c'est qu'il braque pas. C'est un tracteur qui ne braque que dalle. Mais sinon, pour le truc de la sellette, c'est excellent. Faudra que j'essaye d'attacher une semelle. Bah, ça ferait un peu con, je trouve. Mais... En vrai, j'ai jamais vu une Mercedes tractée comme ça. J'ai jamais vu une Mercedes avec une sellette. Après, hein, pour le transport, pourquoi pas, en sachant que ça torche ces tracteurs-là. J'en connais un qui roule à 70 à peu près, donc que j'ai eu l'occasion de conduire, mais que dans un champ. Donc, ouais, à mon avis, elle est pleine. Mais je crois qu'elle m'a cafouillé le champ au bout là-bas. Ça va me saouler, je le sens. On va revenir, elle va être pleine la machine. Putain, mine de rien, la map on croirait pas comme ça, mais qu'est-ce qu'elle est énorme. Qu'est-ce qu'elle est énorme. Elle est où le con. Comme par hasard, faut qu'elle soit à l'autre bout là-bas. Putain, comment il fume. Comment qu'il crache. Ah oui, du coup, maintenant j'en profite, maintenant que j'y repense, concernant la team, on a donc une personne en moins, Nicolas, pour ceux qui le connaissent, hein, il a participé à 2-3 vidéos, mais du coup voilà, vu qu'il, en raison du manque de présence, on a préféré qu'il quitte la team. Du coup moi je garde quand même contact avec lui. Il a dit qu'il n'y avait aucun problème là-dessus. Et donc du coup, bah suite à ça, on a rouvert entre guillemets le pôle emploi de farming. Puisque du coup si une personne est intéressée, elle peut nous contacter, donc soit sur YouTube, sur ma chaîne, soit sur la page Facebook, sur ma page Facebook, ou soit sur la page Facebook de la Green Normand. Donc tous les liens sont dans la description, de toute façon vous pouvez pas vous tromper. Donc je leur dis quand même, je l'ai dit sur Facebook, mais je leur dis quand même, on l'a dit également dans la dernière vidéo à Kevin sur Colebrook Park Farm, l'épisode 3 si je me trompe pas. On veut quelqu'un qui soit disponible, surtout le soir, entre 19 et ouais 22, ouais, voire 23h, parce que moi 22h je suis au plus vu que je commence très de bonne heure le matin, très tôt le matin. Mais voilà, on veut pas une personne qui soit disponible que le week-end, on veut vraiment quelqu'un qui soit là dans la semaine, ouais, au moins ouais, du lundi au dimanche, non, on va dire du lundi au samedi, il faut qu'il soit là au moins lundi soir, mardi soir, mercredi soir, pour vous donner une petite échelle entre guillemets de comment on voit les choses quoi. Après concernant le PC c'est pareil, il faut pas que la personne se plaigne tout le temps, ah je bug, ah machin, hein, faut évidemment que vous ayez une connexion qui suive, qui tienne bien la route, et le PC aussi, parce que bon on joue avec des mods etc, c'est pas un jeu qui prend non plus, faut pas une config à 10 000 euros pour faire tourner farming, mais bon c'est toujours mieux d'avoir quand même quelque chose qui vous fait pas péter les plombs quoi. Voilà, c'était tout pour le moment recrutement je vais dire recrutement Carrefour, n'importe quoi. Recrutement dans la team. Et donc c'est une personne, hein, donc faut qu'on l'aura choisi. Ça a rien de demander, puisque de toute façon on remettra un mot sur la page. Comme quoi on ne cherche plus personne. Et de toute façon l'avantage des pages Facebook c'est que vous pouvez sauvegarder des réponses. Donc moi j'ai sauvegardé des réponses. Donc si les gens me demandent, boum, j'ai juste à faire même pas un copier-coller. Enfin c'est programmé, oui et non. On peut enregistrer des réponses, du coup boum, à chaque fois que quelqu'un est intéressé mais que moi je ne peux pas l'accepter, bah j'ai juste à envoyer le message et c'est plutôt cool. Ah bah non, en fait le champ elle l'a bien fait. Merde, je suis content. Putain, va me remplir la combien. C'est bien fait, le maïs qui descend et tout, même dans la bête ça va, il est propre.
s'est trouvé ici. Ouais, du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre un peu la machine. Oh merde, putain, mais sans déconner ça a mis le truc de la con. La coupe elle est élevée, ça fait con. Mais je suis sûr et certain qu'elle a son propre cueilleur. La version 1 elle l'avait, c'est chiant. Attendez, si on veut dans le vendeur classique. Pas dans la location mais dans le. Je trouve c'est directement avec la batteuse. Apparemment non. Coupe. Ouais. Ah non, elle l'avait pas. Hein. Elle ne l'a pas, donc ça c'est la première version, et ça c'est la version actuelle. Celle que je viens d'acheter. Ouais, ça c'est con ça. Ah, c'est dommage ça par contre. Ils auraient dû le mettre. J'espère que la prochaine version ils mettront ça, ça sera pas mal. Ah les bâtards, c'est bon. Bon, c'est pas grave, je vais repasser. J'aime bien quand c'est droit, du coup je vais chipoter pour ça. Putain, mais non, elle se remplit quand même assez vite. Hein. Je sais que des bons rendements ça allait être chaud, mais donc ça va. Sachant que dans le local, je sais combien là-dedans. Là, je suis à 2 tonnes, 500. Moi, je mets 6 tonnes. Dans la trémie en 2 trémie 12. Ouais, bah ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Y a personne, on fait demi-tour sur la route, sur la route, mais des decks. Ouais, du coup ce que je fais je fous il est censé aller tout droit normalement. Donc ce qu'on va faire, on va choper lui, on va revider juste derrière, je vais être plein, du coup on va pouvoir vider cette benne là. Par contre si t'arrives pas à grimper, on n'est pas dans la merde. Emprunter le petit couloir maïs. Oh, comment il est dégueulasse le machin. Il est horrible. Faudrait que je place un karcher. Tiens. Faudrait que je place ça.
Du coup, on va placer ça tout de suite. Avant que j'oublie, j'en ai pas, non, j'en ai pas. Du coup, c'est bien, on va l'autre bosser. Ah, on peut surveiller les gens comme ça en multi, c'est ça qui est bien. Non, ça c'est pas la ferme principale. Alors, par contre, je vais le placer où? Va me faire chier ce con. Ah putain, je sais pas trop où le placer en fait. Ouais, ce que je vais faire, je vais le placer. Je vais le placer ici. Un peu à la sortie de la ferme, comme ça quand on voudra laver un véhicule, on avance, boum, on lave, on fait demi-tour, on rentre. Voilà ma théorie. Ouais, du coup, l'autre il a fumé là-bas. Là. Il nous a fumé l'autre fumier. Allez hop! C'est reparti. Ah merde, je suis à 11. Je me dis aussi, putain, j'arrive à le fumer ce con. TF78. Putain, cette machine, comment elle est trop belle quoi. J'espère qu'il a été droit. Hein, oh putain, il a fait un tout petit truc de merde là au milieu, là, cet enculé là. Fait chier cet ouvrier. Oh, puis l'autre, elle doit encore être pleine là-haut. Putain, ça me saoule d'aller la voir cette batteuse. Je vais finir par louer une élection, tu vois. Je vais te le finir en 2-2 le champ. Je vais faire ça en vidéo. Allez hop, 14 500 de maïs grain. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un peu si on peut vider. Si on peut faire du stock ou pas, parce que j'ai pas encore fait ça, j'ai pas encore été voir au niveau du stock où ça se passait. Alors ici, à mon avis c'est ici, je suis sûr certain c'est ici, mais où précisément? Jolie machine à laver. Voilà, à mon avis c'est pour les poules, ça j'y ai pas pensé, mais ouais, à mon avis c'est pour les poules. Là je pense pas qu'il y ait quelque chose de... Non, je pense qu'ici non, on peut rien vider, j'ouvre, mais bon. On va voir si normalement les poules on peut leur donner du maïs, donc on va voir si on peut donner le maïs. Après, est-ce que c'est normalement cette benne là, benne que d'un côté, donc... Donc là c'est l'icône du fioul. Je vais mettre de l'autre côté pour voir, parce que bon... Et là, il y a une sorte de trémie là qui sort de la. Bah, d'accord, comment je m'y prends? Ça, ça m'intrigue quand même. Je me demande où qu'on vide. Celui qui a la solution, ça serait sympa de me le dire en commentaire, parce que là. Là, je suis complètement bloqué. Ouais, et puis y a pas. Là, à mon avis, on pourrait peut-être vendre de la pêche. Ah, regardez! Mais ce n'est pas accepté ici. Ah, bah pourtant, là, on pouvait bénir. Donc, en fait, le truc, il doit être par là, le trigger. Mais du coup, je sais pas si c'est le stock. Ouais. Ah! Ah, ouais, non, d'accord. Putain, je disais. Ça, ça m'emmerde, ça. Là y'a betterave machin. Là dedans y'a rien, c'est que du stockage. Enfin que du. Que du comment. Oh la bétonnière. Tu as un Gabi, c'est pour toi. Faut que j'arrête de cuire Gabi parce que. Il va encore m'engueuler, il va encore me dire ah, tu m'as encore prononcé, tu m'as encore dit mon nom. Je m'excuse Gabi, j'irai rien sur toi dans cette vidéo. LOL. Bon, du coup ça m'avance pas ça. Où est-ce qu'on peut payer là-dedans? À part vendre. Putain, le nombre de... regardez le nombre d'icônes qu'il y a pour acheter les gens. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Là-dedans, je pense qu'à mon avis ça va être mort. Putain, c'est con ça si on n'a pas de stockage. Mais je suis sûr, on a peut-être... Ça se trouve c'est là-dedans.
Allez, c'était ça. C'est la buse à la con. Ouais, bah, du coup, on va stocker cette benne là. Putain, ça va aller plus vite à descendre. C'est con qu'il n'y ait pas l'animation de la machine là, qui se remplit un peu. Puis, ou la manœuvre dans le mur. Bah, c'est vrai, j'ai ma charrue toute neuve là. Malenken, lol. Allez, on va retourner au champ. Ce qu'on va faire, on va vider la batteuse. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. On va peut-être tasser le silo. Et puis. On va recouvrir tout ça et puis ça devrait être bon. Ça va encore être pleine la batteuse à tous les coups. Du coup je sais pas si hors vidéo je vais avancer un peu ou pas au niveau des champs, je vais voir. Je vais voir également pour le foin, si je fais l'emballage ou pas, enfin, ça va dépendre de plein de trucs quoi. Sachant que là il va falloir que je refasse quelques vidéos multi. Bon allez, ce que je vais faire, je vais le laisser là. Je vais encore faire 2-3 mètres. Hop. On va le couper ici. On va prendre le merco. Je l'arrête comme ça on va pouvoir vider sans qu'elle nous fasse chier pendant demi-tour. Putain, l'animation de cette machine n'empêche. Impressionnant. Il y a vraiment tout qui est pensé là-dessus. Hop, allez, casse-toi. Nous on va le laisser là. Du coup on va prendre notre petit Fiat, on va tasser le silo. On va tasser avec l'ensilo. ce que j'aurais bien acheté c'est une masse pour lui mettre au cul. Merde, n'importe quoi pour l'instant. Ils ont pas de stabule les vaches au fait. Ouais, loge, tout est dehors. Et là-bas c'est loge à flotte, j'ai même pas fait attention. Y'a un truc pour l'eau ou c'est que de la bouffe dans les deux? Ça me pose une colle ça. Putain, la texture, c'est bien fait ça. Ça va être à voir ça. J'achèterai un truc de flotte et puis on verra bien si on peut. Déjà, est-ce qu'il y a une bande de flotte là-dedans? Hein? Merde. Par contre, je vais mettre l'aide moi pour. Oh bah, le tassement 100%. Oh la gueule. On aura pas été. On aura pas mis bien longtemps. Alors, est-ce que c'est beau quand il est. Ouais, bah, c'est blanc quoi. Hop. Ouais, je pense qu'à mon avis, on peut pailler dans un endroit, mais. Ça va être fictif. Les vaches vont pas dedans. Bon bah voilà, bah écoutez les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures sur cette map. Et puis bah portez-vous bien. Allez, salut tout le monde. Bye bye.